Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir notre tableau de lecture du son H. Tableau de lecture du son H. Hugo habite à côté de l'hôpital. Hugo habite à côté de l'hôpital. Répétez après moi. Hugo habite à côté de l'hôpital. Très bien, mes petits. Hugo habite à côté de l'hôpital. Répétez maintenant, après moi, mes chers élèves. Hugo habite à côté de l'hôpital. Bravo, mes chers élèves. La lettre H. La lettre H. La lettre H. Comme vous voyez, mes chers élèves, que la lettre H est une lettre muette qu'on prononce pas. Comme vous voyez ici, c'est Hugo. Hugo. Je prononce pas le H. Habite. Habite. Hôpital. Même chose, je prononce pas le H. Allez. Maintenant, on va lire notre tableau de combinatoire. H, I, I. Répétez après moi. I, très bien, mes chers élèves. H, A, A. Allez, répétez. A, bravo. H, E, E. H, O, O. Bravo, mes chers élèves. H, U, U. Très bien. H, E, E. O, H, O. Bravo, mes chers élèves. A, H, A. U, H, U. Très bien. I, H, I. Maintenant, passons à la lecture de quelques mots contenant la lettre H. Un hibou. Un hibou. Une hache. Une hache. Un hippopotame. Un hippopotame. Une harmonica. Une harmonica. Un phoque. Un phoque. Une horloge. Une horloge. Un thermomètre. Un thermomètre. Un hérisson. Un hérisson. Maintenant, mes chers élèves, répétez après moi. Un hibou. Une hache. Un hippopotame. Une harmonica. Un phoque. Une horloge. Un thermomètre. Un hérisson. Bravo, mes chers élèves. Passons à la lecture de quelques phrases contenant la lettre H. Au théâtre, on nous raconte plein d'histoires. Le hérisson se met en boule
lorsqu'il a peur. Le petit bonhomme porte un habit humide. L'horloge sonne. Il est 8 heures. Répétez après moi, mes chers élèves, au théâtre. On nous raconte plein d'histoires. Excellent. Le hérisson se met en boule lorsqu'il a peur. Bravo, mes chers élèves. Le petit bonhomme porte un habit humide. Super. L'horloge sonne. Il est 8 heures. Très bien, mes chers élèves. C'est fini pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.